Que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te
Gloire à Jésus. Voilà, shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Donc, on va commencer notre moment de prière. Shalom, shalom encore, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc on va commencer notre moment de prière. Je veux rappeler que aujourd'hui encore, nous allons prier pour la croisade au Bénin, la croisade à Botro. Là, nous sommes sur deux champs. Le Bénin commence la semaine prochaine, Botro, c'est le mois prochain, à partir du 6 décembre. Donc, on va prier en même temps, pendant qu'on sera en train de prier pour Bénin. On prie aussi pour vous trop. Donc, on va dire merci à Dieu pour ce matin, pour la vie qu'il nous accorde. Voilà, il a veillé sur nous toute cette nuit. Il a éloigné de nous toutes les attaques du diable. Donc, ensemble, élevons la voix, bénissons son nom
pour le souffle de vie, pour la santé, pour la force. Seigneur notre Dieu, notre Roi, ce matin, de tout notre cœur, ô Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas le thème. Chaque matin, Papa, tu les renouvelles. Oh, quelle est grande ta fidélité. Ce matin, nous bénéficions de cette fidélité. Seigneur, c'est pourquoi nous élevons nos voix avec toi pour te dire merci. Tu as gardé nos maisons, tu as gardé nos familles, tu as gardé même, tu es allé même au-delà de nous, tu as gardé nos nations. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour tous tes bienfaits, Seigneur. Toi seul es digne de notre adoration. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Papa, alors que nous voulons commencer ce moment de prière, nous t'invoquons. Viens, prends le contrôle de toutes choses. C'est vrai que les sujets sont connus d'avance, mais Saint-Esprit de Dieu, prie au travers de nous. Tu l'as dit dans ta parole, c'est toi, car nous ne savons pas comment prier. C'est toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, apprends-nous à prier ce matin. Conduis toutes choses au nom puissant de Jésus. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va élever encore la voix. On va rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur principal, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le porteur de cette grande vision, voilà, du ministère Message de vie. Et puis aussi, bénis Dieu pour la vie du pasteur Philippe Kouassi, qui aussi est ce canal, voilà, par qui Dieu a mis en place ce programme qu'on appelle tout JSB, voilà, ici dans la région du Békè. Donc, on va bénir le nom de Dieu pour la vie de ces deux hommes. Dis merci aussi pour les missionnaires, ces personnes qui les accompagnent dans cette œuvre que Dieu leur a confiée. Élevons ensemble la voix. Rendons grâce à Dieu pour leur vie. Disons merci pour la fidélité de notre Dieu à leur égard. Marako Shadabra Sandeberelekete, Linolobosku Baranalabaya. Ireliando Chitarabadusa, Rakatanabra Seperelebos, Rosugadabayantebere Père, merci. Merci pour la vie de tes serviteurs, le pasteur Mohamed Sanogo, notre Père spirituel à tous. Merci, ô Dieu, pour cette grande vision que tu lui as accordée. Père, merci pour l'obéissance que tu as mis dans son cœur. Il a obéi à ta voix. Et Seigneur, il a mis en place ce ministère Message de vie qui sillonne les nations, qui sillonne les villages, qui sillonne les villes pour propager l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ô Père, nous te bénissons, Seigneur, pour sa vie, pour tout ce que tu fais pour lui ainsi que pour sa famille. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour son fils spirituel, le pasteur Philippe Kouassi, aussi à qui tu as confié cette lourde charge, cette lourde responsabilité de gagner le Békè, Père, à Christ. Merci pour sa vie. Merci pour tout ce que tu fais au travers de lui. Merci pour ses campagnes d'évangélisation dans cette zone de Boaké. Merci infiniment pour ces nombreuses âmes que tu as libérées, que tu as délivrées par le canal. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu continues de faire au travers d'eux. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Au nom de Jésus. Père, nous te disons aussi merci pour tous ces missionnaires, ces hommes et ces femmes, oh Dieu, qui ont cru en la vision et qui se sont mis à côté d'eux, papa, qui les accompagnent pour l'accomplissement de cette grande œuvre. Merci pour leur vie. Merci pour leur détermination. Merci pour leur disponibilité. Merci pour tout ce que tu fais également au travers d'eux. Merci pour ces âmes en grand nombre que tu sauves au travers de leur vie, de la vie de tous ces missionnaires. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, parce que Père, tu agis, tu agis, tu agis au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. On va encore prier. Et cette fois-ci, on va dire merci à Dieu pour le Bénin ainsi que pour la ville de Botro, toute la zone de Botro. On va rendre grâce à Dieu pour la population, ces différentes populations. Dis merci pour les autorités,
dis merci pour le corps de Christ, voilà, qui œuvre dans ces différentes zones. Élevons ensemble la voix au nom de Jésus. Rabasakatanabaralabaya, Rabrasoparadayantebere Koladisha. Père, merci. Merci pour la nation du Bénin. Merci, ô Dieu. Tu as voulu que pour cette édition, la croisade soit au Bénin. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits envers cette nation. Merci pour sa population. Merci pour la force, le courage que tu lui accordes, que tu as donné à ce peuple béninois. Merci pour cette intelligence, pour cette sagesse, ô Dieu, avec laquelle ce peuple travaille, Père. Ce peuple aussi qui contribue activement à l'instruction de milliers de personnes en Afrique. Je bénis ton nom, Papa, pour le Bénin. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les autorités du Bénin. Je te dis merci pour le corps de Christ, l'Église qui est au Bénin. Merci pour le travail que l'Église fait pour le salut de plusieurs. Merci infiniment. Merci pour Botro. Merci pour la population de Botro. Merci pour les autorités, pour le maire, le sous-préfet, le préfet, toutes ces personnes que tu as élevées en dignité dans cette ville. Oh Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta bonne main, ta protection qui est sur cette ville de Boutreau. Merci Seigneur Jésus pour l'Église que tu as établie, Père, dans cette ville, qui travaille également pour l'avancement de la ville. Merci pour tes enfants, pour les chrétiens, tous ceux qui confessent ton nom dans cette ville de Boutreau. Merci pour ton règne que tu établis à Boutreau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour cette ville que tu as rendue aussi fertile, pour cette nation du Bénin que tu as rendue aussi fertile, pour les activités qui se font dans cette ville, dans cette nation. Merci infiniment d'être au contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire pour tous tes bienfaits envers le Bénin et envers Boutro, au nom de Jésus. Shadabraso karadaba, rendebere le koladia, brasantebere le bosh, rabababababababa. On va encore élever la voix et on va cette fois-ci demander pardon à Dieu pour le Bénin et pour Boutro. Voilà, les actes qui ont été posés, qui n'ont pas honoré le nom de notre Seigneur Jésus, que ce soit par les populations, par les autorités, par l'Église. On va s'identifier à ces différentes couches et demander pardon à Dieu. Ô Père, nous venons humblement, Seigneur, reconnaissant nos fautes, reconnaissant les fautes du peuple béninois, de l'Église comme des autorités du Bénin, ainsi que de Boutro. Père, nous te demandons pardon pour toutes ces fautes commises, là où le sang a été versé, là où il y a eu une désobéissance à tes instructions, parlant de l'Église, là où, oh Dieu, les autorités, au lieu de paître, au lieu de s'occuper de la population, elles se sont occupées d'elles-mêmes, Père. Là où, Seigneur, elles ont travaillé de façon individuelle, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne à tout ce peuple du Bénin. Pardonne à tout ce peuple de Boutreau. Aie compassion pour là où Jésus-Christ, chacun de son côté, a eu à t'offenser. Père, par ses actes, par ses paroles, par toutes sortes de choses qui n'ont pas honoré ton nom. Prends pitié et que ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, puisse les purifier. Purifier le Bénin. Purifiez également le Boutreau au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon accordé. Merci pour le sang qui purifie nos vies au nom de Jésus. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons encore la voix et invoquons l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous revêtir. Voilà, pour la suite de ce temps de prière. Voilà, soupirons que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de son amour, remplisse le Bénin de son amour, remplisse Boutreau de son amour. Élevons la voix. Que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il manifeste au travers de nous l'onction, l'onction, l'onction. Makata shadabra sendebele koladi, mandebere lebos.
Ubrasuparadayande, Rabadalaya, Shadabababababababa, Reketelebo Santabra, Lomama Suralushadi, Ibrelandelekoradusha, Rasandebelebos. Père, remplis-nous de ton amour pour cette nation du Bénin. Remplis-nous de ton amour pour la ville de Botro. Seigneur Jésus, afin que nous soyons efficaces, efficaces entre tes mains pendant cette mission, pendant ces croisades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de partager la vision que tu as communiquée à ton serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo, pour le Bénin, comme le pasteur Philippe Kouassi pour Botro. Accorde-nous la grâce de partager cette vision qui est pour le salut de ces peuples. Oh Dieu, que nous ne nous retenons pas au nom de Jésus-Christ. Remplis tous tes serviteurs, les missionnaires, Père, qui sont déjà sur le terrain, comme ceux qui vont aller après. Remplis chacun de ton onction, remplis chacun de ton amour, pour que, Père, tous les actes que nous allons poser, Seigneur Jésus, que ce soit sur le terrain comme en dehors du terrain, cela puisse contribuer au salut de ces peuples. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu pour l'esprit que tu nous donnes, pour l'onction que tu nous donnes, ce revêtement que tu nous donnes pour que nous puissions accomplir ton œuvre. Shadabraso paradaya, renebelebo so kanaladia. Merci pour l'humilité, l'humilité et la crainte de ton nom que tu mets dans la vie des missionnaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Barasakatanabrayantalabada. Renebelebolosko badaralaki. Ira lashadia. Braso telebo sokata. On va élever la voix et nous allons plaider en faveur du Bénin ainsi que de Botro. Voilà, le Seigneur a dit dans sa parole, dans Psaume le chapitre 145, à partir du verset 8, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous ceux, envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent également sur le Bénin ainsi que sur Botro. On va prier, on va plaider en faveur de Botro et de Bénin, à supplier le Seigneur de faire lever un soleil nouveau sur cette nation ainsi que sur cette ville, voilà, qu'un souffle nouveau apparaisse sur ces deux localités. On demandait de tout notre cœur à Jésus de libérer le Bénin, de libérer Botro de l'emprise des faux dieux et d'emmener toutes les pensées captives à lui obéir. Élevons la voix, supplions, supplions le Seigneur. Qu'un soleil nouveau se lève. Oh bien-aimé, élève la voix, demande au Seigneur de faire lever son soleil. Marakora shadi brasi nelebe. Lindolo sukatarababaya. Andala sutali. Ikarado shetebe. Mando sabahanda. Lobra suparakatana labadaya. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons plaider pour Botro. Nous venons plaider pour le Bénin. Ô notre Dieu, n'as-tu pas dit dans ta parole que tu es celui-là qui est lent à la colère, qui est miséricordieux, compatissant, qui étend sur toutes ses œuvres, oui, ses compassions et son amour. Seigneur, nous te supplions pour Bénin, fais lever ton soleil qui apporte la lumière, ton soleil qui apporte la restauration, ton soleil qui fait reculer les ténèbres, que ce soleil se lève sur le Bénin, que ce soleil se lève sur Botro, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous prions pour un souffle nouveau, nous prions pour une vie nouvelle, nous prions pour une nation nouvelle, nous prions pour une ville restaurée par ta puissance.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, libère cette nation de toute l'emprise de ces faux dieux, Seigneur, qui l'ont liée, qui se sont accaparés d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Père, nous te supplions que toute la nation du Bénin, Papa, te soit vraiment soumise dans le nom de Jésus. Que les cœurs te soient ramenés. Que les cœurs soient ramenés à l'obéissance, à ta parole, à ta voix, dans le nom puissant de Jésus. Interviens également pour Botro, Rabasakatanalabaya, Randolo Shadia, Braskopadalaya, Imeketelebos, Rababababababababa. Nous prions pour un soleil nouveau sur Botro, un soleil nouveau, Shadabarakate, Rebrasotelebos, Rababababababababa. Tu as dit dans ta parole que les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais ils n'en ont pas, et leur langue est desséchée par la soif. Mais toi, l'Éternel, tu réponds à nos prières. Seigneur, réponds à nos prières. Envoie, envoie ta lumière, envoie ton soleil sur Botro et le Bénin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces nations soient ramenées captives, leurs pensées ramenées captives à l'obéissance à ta voix, à l'obéissance à ta parole, au nom puissant de Jésus. Mandolo Shatalabaya. On va encore prier, on va invoquer cette fois-ci Jésus pour que les situations sociopolitiques et économiques qui règnent à Botro puissent changer, voilà, positivement. À prier, on va plaider aussi pour que le Bénin soit le premier bénéficiaire des ressources naturelles. Alors, on connaît tous un peu ce qui se passe dans nos pays africains. On va prier pour que les ressources, parce que c'est à eux que Dieu a donné cela, que ces ressources-là puissent profiter d'abord au peuple béninois, au nom de Jésus. Également, prier pour Botro, pour que le Seigneur aussi intervienne, qui donne à ce peuple-là de jouir de ses ressources, de jouir de sa terre, de jouir des activités qui proviennent de la terre. Élevons la voix. Chandabrasakatanalados, Renebelebos, Père, nous te présentons toutes les situations sociopolitiques et économiques qui se passent dans cette nation du Bénin. Oh Dieu, ce matin, nous te supplions que ces situations changent positivement en faveur du peuple béninois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la tenue qu'elles avaient prise, oh Seigneur, que cela change. Que cela change, que cela change, que cela change, que cela change dans le nom de Jésus-Christ. Que tout s'apaise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, tu as donné la terre aux Béninois. Tu as donné le sol aux Béninois. Ce sont eux d'abord qui doivent profiter de ces ressources. Ce sont eux d'abord qui doivent jouir de ces ressources. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ressources naturelles, Père, l'agriculture, les mines, tout, Seigneur, puisse profiter aux Béninois au nom de Jésus. Accorde également à la ville, accorde également à tous ces villages aux alentours de Botro, tous ces villages qui constituent cette région de Botro, Père, de profiter également du fruit du sol que tu leur as accordé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les davantage. Bénis-les davantage. Ouvre les portes davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadabrasakatanalabadaya. Reketelebolosko. Nous demandons un nouveau rayonnement. Un nouveau rayonnement pour le Bénin. Un nouveau rayonnement pour Botro. Oh Seigneur, un nouveau positionnement au niveau de la sous-région, même ici à Boaké, que Botro soit repositionné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, Père, qu'elle a connues dans le passé, Seigneur, que ces choses appartiennent au passé, mais qu'un rayonnement nouveau apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix. On va plaider en faveur des populations qui vivent au Bénin ainsi que à Botro. Alors, on va supplier le Seigneur d'aider ces peuples à se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. On va lui demander de leur accorder la crainte de son nom. La Bible pouvait dire, personne ne vient à Christ
Personne ne peut accepter Jésus-Christ si le Père, au préalable, n'est ouvert le cœur de cette personne. Voilà. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de conversion sans l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi on va prier que le Seigneur lui-même, il attire ces âmes-là, il attire le peuple béninois, il attire le peuple de Botro à venir à Jésus-Christ de Nazareth. On va réclamer un climat spirituel aussi, un climat spirituel, social, politique et économique, voilà, sur cette nation du Bénin. Que la main puissante de notre Dieu agisse en faveur de ces populations. Élevons la voix, prions la voix pour ces deux sujets. Baraso prayantara koladia, imereketelebo shantalabadalaya, rabababababababa, reketelebo satanalabada. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas venu sur la terre pour nous condamner, pour condamner les hommes. Non, mais tu es venu au contraire pour nous sauver. C'est pourquoi tu es mort à la croix. Tu as donné, tu as livré ta vie pour que nous soyons sauvés. Tu t'es offert à la croix pour le peuple béninois, pour le peuple de Boutro. Ô Père, interviens, agis, agis. Que toutes ces âmes qui t'appartiennent à Boutro comme au Bénin viennent à toi pendant cette croisade d'évangélisation dans le nom de Jésus. Que ces brebis entendent ta voix et qu'elles accourent à toi au nom de Jésus. Que rien ne les empêche. Manifeste-toi, manifeste-toi. Convainc de péché, de justice et de jugement. Vain de péché, de justice et de jugement, que toute forme de résistance dans les cœurs soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour la conversion du peuple béninois. Nous prions pour la conversion du peuple de Botro. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réclamons également un climat spirituel, social, politique et économique restauré par ta main puissante. Puissante, au nom puissant de Jésus. Ta parole dit que lorsque tu te lèves, tout se disperse. Quand tu parles, tout fait silence. Oh Seigneur, élève ta voix pour le Bénin, élève ta voix pour Botro, afin que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas placé, positionné, Seigneur, s'éclipse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix qui vient de toi s'installe au Bénin, s'installe à Botro. Rabashata d'Abrayan Belebos, Lonolo Karatakibra. Imasu paradia, au nom de Jésus, nous plaidons devant toi, papa. Nous plaidons devant toi pour le Bénin, pour Botro, afin que ces peuples puissent vraiment sortir radicalement de la pauvreté également, de toutes ces situations difficiles qu'elles traversent au nom de Jésus. Oh, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce pour qu'il y ait accès à de meilleurs systèmes de santé. Implorons la grâce de Dieu, implorons la grâce de Dieu pour Bénin et pour Botro, que le peuple ait accès à de meilleurs systèmes de santé, d'éducation, d'emploi. Voilà, que Dieu ouvre les portes. Manachatabra, Rasa Katerebo, Sekelina Labadia, Andolo Sabarakintelina, Rababababado Sokotolochete, Imahando Shakia, Rasu Prasiketelebos, Ranabababadaya, Rakatana Labadaya, Rabasaketelebos, Robrasu Paradakantelinalaya, Paix étend ta main. Manifeste-toi, donne à ton peuple d'avoir accès à de meilleurs, à de meilleurs systèmes de santé, meilleurs systèmes d'éducation, d'emploi et même aussi les infrastructures au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent davantage pour tous ceux qui aspirent à un emploi au nom de Jésus. Rabassé Ketelebos, nous prions pour la construction encore accrue de centres de santé, de centres, Seigneur, d'éducation. Au nom de Jésus, que les infrastructures, Seigneur, continuent d'être construites dans ces différentes localités. Manifeste-toi. Mandolo Chantabra Saradakiradusha. Arabadalabaya. Rebababado Sakate. Renolo Sibriande. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de te manifester puissamment. Au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix. Et prier cette fois-ci pour l'Église. L'Église qui est ce canal dont notre Père se sert pour répandre son règne. On va prier pour l'Église du Bénin ainsi que pour l'Église de Boutro. Voilà, que l'Église dans ces deux localités-là soit davantage consacrée
à Jésus-Christ, à débarrasser de toute influence culturelle. Alléluia. Donc, élevons la voix. Élevons la voix. Maradabrasko radachandelebos. Arabalato shati. Père, nous te confions l'église du Bénin, l'église à Botro. Oh Seigneur, attire la davantage à toi. Père, qu'elle soit davantage consacrée à toi, consacrée à Jésus-Christ de Nazareth. Que la soif de te connaître s'augmente dans la vie de tous ceux qui t'appartiennent, de l'église au Bénin comme à Botro, dans le nom de Jésus. Ah, comme tu l'as dit dans ta parole, Christ a aimé la justice et il a haï l'iniquité, il a haï le péché. Qu'il en soit ainsi dans la vie de l'église au Bénin comme à Botro. Que l'amour du Père, que l'amour des champs de Dieu s'intensifie dans le cœur de l'église. Que la haine du péché, oh Seigneur, s'intensifie également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ton Église de fuir le péché, de fuir le péché, de fuir le péché, de fuir le péché. Qu'elle soit débarrassée de toute influence culturelle au nom de Jésus. Tout ce qui a tendance à l'éloigner de sa vision, à l'éloigner du but que tu as tracé pour elle, au nom de Jésus-Christ. Que l'Église soit forte, que l'Église soit conquérante à Botro comme au Bénin, au nom de Jésus. Une Église qui se met à la bêche, une Église qui conquiert les territoires davantage pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur, manifeste-toi. Mandelebo Santabra. Rabakatana labadalaya, irekete lebros, rasupra, imahana shendele kikadush, rabadalababababados, au nom puissant de Jésus. On va prier, on va soupirer encore après un profond réveil spirituel au Bénin comme à Botro, caractérisé par des programmes de puissance pour le salut de ces localités-là. Voilà, on va élever ensemble la voix. Que le Seigneur amène le réveil, conduit son peuple d'un profond, un puissant réveil spirituel. Shadabara sakata, rene lekolados ki paradis, manda brassande lekoladia, rabadababababa, rebebo shatabraya tapara la kanta, rabababa, so ketelina, arakola shadi, razine lekonda parada. Ô Père, ô Père, ô Père. Ô Père, nous te supplions, fais naître au Bénin, ainsi qu'à Botro, un profond réveil spirituel, un profond réveil spirituel, comme tu l'as fait au temps des disciples. Rabaché Nebelebo Santabra, Libra Sakatana Labaya, que ce réveil se manifeste par des programmes de puissance. Au nom de Jésus, la préparation de l'Église, même Seigneur, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce réveil se manifeste également par l'amour de l'Église envers les populations. Rasa Katanabra, Rabo Chatelenebre, Lina Labadaya, Arakatanalaba, tous ceux qui se sont refroidis dans l'Église, Père, renouvelle la force, réchauffe-les. Tu as dit, tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Père, que le feu s'active dans l'église du Bénin, dans l'église de Botro. Un feu nouveau, un zèle nouveau. Oh, que le zèle de ta maison dévore tes enfants, dévore l'église dans ces localités, dans ces zones, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort spirituelle, qu'elle disparaisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mantabraso paradaya. Père, fais naître la soif de te connaître dans le cœur de tes enfants, la soif d'aller à un autre niveau, à une autre dimension. Mande braso parakate, rakalianalushada, arazagadabados, rebabababababababa. C'est toi qui l'as positionné dans ces zones, oh Dieu, pour pouvoir faire venir ton règne. Ne laisse pas ton église là où elle est. Nous prions, nous plaidons pour un réveil nouveau,
un réveil, le réveil des assoiffés, le réveil des conquérants, le réveil des amoureux de Dieu, des amoureux du Saint-Esprit. Oh, les personnes qui n'ont plus peur, des personnes qui foncent, qui avancent, des personnes qui même livrent leur vie pour le salut des autres. Rassadabraso paradalaya, des personnes remplies du Saint-Esprit qui peuvent dire comme Pierre, oh, jugez vous-même s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'à vous, ou d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Seigneur, suscite ces hommes qui affrontent les dangers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandelebo sandabra, rababababa kantadabaya, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. On va encore prier, on va plaider en faveur de l'Église, afin que l'Église joue son rôle de sel de la terre et de lumière du monde. C'est ce que le Seigneur a dit, c'est ce que nous sommes. Que Dieu donne à l'Église du Bénin et de Botro, voilà, de manifester ses vertus. Voilà, que chaque aspect de la vie du Bénin porte le sceau du Saint-Esprit pour la gloire de notre Dieu. Élevons la voix. Mando shatabara sakata. Rebraso paradia. Ireketelenolochite. Shad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 
ton intelligence pour pouvoir conduire ces personnes que tu as mises sous leur responsabilité au nom de Jésus. Pour ces leaders chrétiens qui ne te connaissent pas, mets la crainte dans le cœur, mets la crainte, la soif, le désir de te connaître au nom puissant de Jésus. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Barasa katana lataya. Lenolobosko brayandeberi lebekinta. Rababababa. On va prier pour ce dernier sujet. On va plaider, on va prier pour l'organisation pratique de cette croisade. Les déplacements au Bénin, les déplacements à Botro, que le Seigneur conduise toutes ces personnes qui vont dans ces zones-là pour ces différentes croisades, que sa bonne main soit sur elles. On va prier aussi pour les différents jours. Voilà, au niveau du Bénin, on aura 3 semaines de croisade. Au niveau de Botro, on aura environ 2 semaines. La première semaine qui est réservée aux actions médicales et la deuxième semaine pour les temps de prière en soirée. On va confier tout ça entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit, voilà, conduise toutes choses, qu'il accorde à tous les missionnaires l'unité d'esprit, la discipline, voilà, qu'on sente vraiment le zèle de Dieu qui parle en leur faveur. On va prier pour les différentes rencontres que le pasteur Mohamed aura avec les différents personnages. Voilà, il va rencontrer les autorités coutumières, les autorités administratives. On va confier toutes ces rencontres entre les mains de Dieu, ainsi que les rencontres du pasteur Philippe. On va élever la voix. Marabasha Rebraso Paradakintalina Layande, Arabas Père, nous te confions l'organisation pratique de ces deux croisades. Oh Dieu, prends le contrôle de tout. Nous te confions la vie des missionnaires, ceux qui vont aller au Bénin comme à Botro. Seigneur, conduis-les, conduis-les, conduis-les pas au nom de Jésus. Conduis-les, conduis également les rencontres que tes serviteurs auront avec les différentes autorités. Prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour la mobilisation du peuple béninois ainsi que du peuple de Botro. Merci pour les gens qui sortent massivement. Merci pour ta puissance que tu déploies dans ces croisades. Béni sois-tu parce que tu prends le contrôle de toutes choses. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Merci pour ces sujets que nous avons fait monter vers toi. Merci pour les ossements que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va passer la main au pasteur pour prier. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nos bien-aimés, salut Apé Wilfried, merci encore pour ta direction, Dieu te bénisse. Apé Aubert, Rôle Miraculé, Awakone, Bolo, Lucie, France Lise, iPhone Sam, Doucouré, Office Simon, Kwasi Blé, Sanetia, Nina, Ninive, Pasteur Bénigrace, Tecle, Gabod, Yves Kéan, que la paix et la grâce de Dieu continuent de surabonder dans vos vies. Alléluia. Et tous nos bien-aimés aussi qui sont sur Facebook, recevez ce matin la paix, recevez la grâce, recevez la bénédiction, le soutien du ciel dans vos vies et dans cette journée. Alors donc nous sommes toujours dans la semaine de la conquête, avec l'esprit en acaso. C'est pourquoi nous prions. Excusez-moi, nous prions aussi pour le Bénin et en même temps nous prions
pour Botro. Et nous invoquons la grâce de Dieu pour nos différentes conquêtes. Voilà, à quelque niveau que ce soit, nous avons besoin de marquer les conquêtes, les territoires. Sur le plan de la santé, c'est notre héritage d'être en bonne santé. Sur le plan financier, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Sur le plan professionnel, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans tous ces aspects, nous avons besoin de voir la grâce de Dieu nous accompagner. Je prie, alors que nous payons le prix de nous tenir levé le matin, malgré la fatigue, pour avoir un temps avec Dieu. Et alors que la Bible dit que les bontés de l'Éternel en notre faveur se renouvellent chaque matin, je prie que Dieu vous fasse grâce et que quelques domaines de vos vies où vous attendez à voir sa main à l'œuvre, que le Seigneur vous accorde l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai pas entendu un bon amen ce matin. Mali kobara santa la brayandele kete. Ali raba akandele asutalaba akandele aparato. Ima kanta leba sunta laba baba baba. Femele kabara sinte liga dabra. Ale roskunta leba shamato. Ama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 shkobabababa. Olika lima ratata radada marata rakata rema mama mama mama. Vous savez, j'ai toujours particulièrement aimé ce passage d'Ésaïe 49 que j'ai découvert la dernière fois que je l'ai lu avec vous. À partir du verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui en honneur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alléluia. Dieu dit, c'est peu que tu sois son serviteur, juste dans ta tribu, juste dans sa nation. Et il t'établit pour être maintenant lumière des nations. Alléluia. C'est peu que ton impact se limite juste au stade familial et même professionnel. Ça veut dire que dans ces environnements immédiats, Dieu t'a déjà donné la grâce d'influencer. Et maintenant, il estime que c'est peu que ton influence se limite juste au stade de ta tribu, au stade familial, même au stade de ton pays. C'est peu. C'est peu que les finances que tu as n'arrivent pas non seulement à prendre en charge ta famille et même aider plus de personnes autour de toi. C'est peu que le travail que tu fais n'arrive pas à te prendre en charge, à prendre ta famille en charge et ne te positionne pas comme une source de bénédiction pour d'autres personnes hors de ta tribu, hors de ta famille. C'est peu que tu n'aies pas suffisamment de ressources pour impacter des personnes qui sont loin de toi. C'est peu que
le salaire que tu as en ce moment soit juste suffisant pour prendre en charge ta famille, pour prendre en charge ta maison, pour prendre en charge tes besoins personnels, pour prendre en charge tes enfants. C'est peu que ton impact soit juste limité à ton environnement proche. Il dit, c'est peu, c'est peu. Il dit, je t'établis lumière des nations. Malé kabarasuntalababa. Alagade ashibala akandalaba. Mekora santi le brianda. Arata amaka asuparada. Ila makandele gabarasuntali kabarasantalababa. Il dit, c'est peu, c'est peu, c'est peu. Dieu ouvre sa bouche. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur juste pour élever la tribu de Jacob. Pour Dieu, il considère que c'est peu, c'est peu, c'est peu que les finances que tu as à ta disposition soient juste suffisantes pour être une bénédiction pour ton entourage proche. Il dit, je t'établis maintenant lumière des nations. Dieu, dans sa volonté, veut que ce qu'il te donne soit non seulement un canal de bénédiction pour ton environnement proche, mais pour des personnes assez éloignées, assez éloignées, assez éloignées. Dieu veut que la grâce qu'il a mise en toi soit une bénédiction pour les Canadiens, soit une bénédiction pour les Européens, soit une bénédiction pour les gens de l'Océanie, pour les Australiens. Oh my God, que Dieu étende tes limites, que Dieu étende tes limites, que Dieu étende tes limites, que Dieu étende tes limites. Je bénis Dieu pour ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu dit c'est peu. Dieu dit c'est peu. Il dit, je t'ai établi pour être lumière des nations. Ta lumière doit éclairer les nations. Ta lumière ne doit pas juste éclairer ta nation, mais ta lumière doit juste doit en plus éclairer les nations. C'est pourquoi il a dit, allez et annoncez l'évangile à Jérusalem, annoncez l'évangile en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités des nations. Ton impact doit toucher les extrémités des nations. Je vais défier quelqu'un à commencer à penser nation, à commencer à penser très loin. Je vais défier quelqu'un à commencer à réfléchir comment la grâce qui est en toi va commencer à toucher les personnes extérieures de toi. Oh, je prie que tu ne partes pas de cette terre sans influencer les nations. Je vois que Dieu t'utilise déjà pour être une bénédiction pour ta famille. C'est bien, on bénit Dieu, mais la pensée de Dieu est une pensée des nations. La pensée de Dieu est une pensée qui veut que ton impact puisse toucher plusieurs nations, plusieurs peuples, que la grâce te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Je veux, au travers de ces matinales de conquête, élargir ton espace d'influence, que tu puisses penser très loin, que tu puisses penser que la grâce, ce commerce, cette activité que Dieu te donne, doit pouvoir traverser tes frontières et aller très, très, très loin. Oh, je n'entends pas ton amen. Et on va prier vraiment dans ce sens. On va prier dans ce sens. Demande au Seigneur non seulement de te remplir toi, mais d'élargir ton impact, d'élargir ton influence. Que la baraskunta libre yanda, abaragadala yanda. Et Shibale Kabarasun Taliba, Amarus Kandeli Kabarakonto Lubra, Ile Parazo Kandalaya, Abarakir, Asutale Gadala Kantala Barato, Amradia, Akabarasandele Kora Baba Baba Baba. In Jesus' name. C'est peu, c'est peu, c'est peu. C'est peu, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités. C'est un passage qui est formidable. C'est peu, c'est peu, c'est peu. On bénit Dieu pour l'influence que tu as au niveau familial, mais Dieu dit c'est peu, c'est peu. Oh Seigneur, élève tes enfants. Que le peu que tu as mis en nous soit une bénédiction pour des hommes et des femmes très loin
très loin dans les nations. Oh, qu'au travers de mon frère, de ma sœur, Seigneur, des villes entières soient touchées. C'est pour cela que, Seigneur, nous nous investissons dans Jésus sauve Bénin, parce que tu veux au travers de nous impacter le Bénin, impacter le Bénin, impacter, Seigneur Dieu, ces villes éloignées, impacter ces nations que nous ne connaissons même pas, qui ne sont pas liées à nous par le sang. Mais Seigneur, ton amour traverse les frontières. Ton amour traverse les frontières. Ton amour va très, 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 très loin. Mali kabarasunta la baba. Oranda la kaba. Ishaba la kandeli raskoba. Bara kandeli kabarasuti librianda. Malerus kababa. C'est pourquoi Dieu te donne la capacité d'avoir des visas, des ouvertures pour aller très loin dans d'autres pays, pour travailler, pour bosser. C'est à cause de ce désir du Seigneur de te voir aller très loin pour impacter d'autres personnes. C'est pour cela qu'il va t'accorder des opportunités de voyage. C'est pour cela que Dieu va permettre que tu aies des facilités pour aller dans d'autres nations. Je vois Dieu t'accorder cela. Je vois mon Dieu t'accorder cela. Je vois mon Dieu ouvrir des portes pour toi. Je le déclare sur ta vie. Alors que tu commences à penser maintenant international, alors que tu commences à penser nation, mon Dieu t'ouvre des portes. 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 Quelqu'un avait résolu dans son cœur d'aller au Bénin. Tu vas voir, les finances vont venir. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Les finances vont venir. Les finances vont venir. Tu vas voir comment Dieu va déployer sa grâce. Alors que tu nourris dans ton cœur de faire partie de cette équipe qui va aller impacter au Bénin, la grâce arrive, la grâce arrive, la grâce arrive, la grâce arrive à toi, la grâce arrive à toi. Dieu suscite. Alléluia. Et mon fils, Dieu a mis dans son cœur son épouse et lui, de prendre en charge notre billet d'avion pour le déplacement. Et Dieu a pourvu, et il a pu le faire, je crois que c'est la semaine dernière, qu'il a pu payer le billet d'avion pour que son pasteur puisse aller participer à la croisade de Jésus sauve Boaké. Voyez, alors que je rends ce témoignage et que je bénis le Seigneur pour le nom, pour la vie de ce couple, ce fils-là, je suis en train de te dire que ce n'est pas seulement une grâce pour le pasteur. Nous sommes tous des pasteurs pour Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Ces mêmes grâces-là sont au partage. Or, je le dis, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Des gens vont payer ton billet. Des gens vont te soutenir. Des gens vont payer pour que tu viennes partager la grâce que Dieu a mise sur toi dans leur pays. Oh, ton amen est faible, je n'entends pas ton amen. Des gens vont payer, des gens vont sentir le besoin de payer pour que la grâce que Dieu a mise en toi puisse traverser les frontières. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va le faire, Dieu va le faire, parce qu'il a mis en toi une lumière. Il dit, j'ai établi pour être lumière des nations. Tu as été lumière de ta nation, mais maintenant, je t'établis pour être lumière des nations. Lumière des nations. La grâce qui est en toi, que peut-être toi-même tu sous-estimes, est censée être une bénédiction pour les nations, pour les nations. Alléluia. Pour les nations. Et mon Dieu le fait. Mon Dieu le fait. Mon Dieu le fait. Tous ceux qui sont connectés, qui avaient des projets d'immigration, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le ciel s'active en votre faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient des projets pour voyager, aller entreprendre des activités, que le ciel s'ouvre en votre faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que vous partez en missionnaire pour Dieu. Vous partez en missionnaire pour Dieu. Vous partez pour impacter des nations. Vous partez pour influencer des nations dans le nom de Jésus-Christ. Alors que vous allez travailler, vous êtes des instruments que Dieu utilise pour glorifier son Saint-Nom partout.
dans les pays où vous êtes, que Dieu augmente votre influence, que la grâce de Dieu se repose sur vous de façon particulière et puissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malikabarasuntalababa. Et je déclare dans cette même onction, c'est pour cela que la maladie ne peut pas te tuer. Tu peux pas. Non, parce que tu as une bénédiction pour les nations. Le Dieu ne permettra pas que la maladie t'handicape. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Dieu ne permettra pas qu'un problème de santé t'empêche de faire la volonté, sa volonté. Si Dieu permet même que tu aies une écharde dans ton corps, c'est pour davantage montrer à tout le monde que c'est dans tes faiblesses qu'il est fort en toi. C'est dans tes faiblesses que lui se glorifie, afin que la gloire ne soit pas partagée avec un homme. Je le déclare sur ta vie. Je te vois impacter les nations. Je vois la puissance de Dieu opérer avec toi. Je vois des malades guéris au travers de toi. Je vois des aveugles voir. Je vois des paralytiques marcher. Je vois l'onction de Dieu t'utiliser de façon surnaturelle, comme tu ne l'as jamais imaginé. J'ai dit, j'ai dit, j'ai établi pour être lumière des nations. Il y a une sagesse que Dieu met en toi qui va éclairer les nations. Il y a une sagesse que Dieu met en toi qui va faire de toi une solution dans les nations. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mali kabarasunta la baba. C'est pourquoi les produits que Dieu met dans ta main, le produit que Dieu te donne, ton commerce, tes activités, c'est pourquoi Dieu va permettre que ça ait une influence internationale. C'est pourquoi je ne cesse de dire, ne négligez rien avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il faut rien négliger. Il dit, c'est peu que tu sois serviteur juste dans ta tribu, juste dans ta nation. J'ai t'établi pour être lumière des nations. Je vois ta lumière briller. Je vois ta lumière briller. Je vois ton impact. Malé kabarasunta la bababa. Arakata aliko barasunta. Voici pourquoi cette entreprise dans laquelle tu travailles va permettre que tu effectues le grand voyage pour aller à l'extérieur. On dira que c'est un voyage de mission, mission pour eux. Mais toi, tu sais de quel type de missionnaire tu es. Toi, tu sais que tu es un missionnaire. Je te dis, tu vas voir les jours qui viennent, l'activité dans laquelle tu es, ils vont te donner d'avoir de grandes missions à l'extérieur du pays où tu es. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu es conscient. Le jour que les choses vont se réaliser, tu vas te souvenir de cette parole que j'ai déclarée sur ta vie. Tu vas te souvenir que c'est Dieu qui est en train d'orchestrer les choses parce qu'il veut que ton influence, ton impact puisse quitter ton pays, mais aller encore plus loin. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. C'est peu que tu sois serviteur dans ta tribu et dans ta nation. Je t'établis pour être lumière des nations et pour porter mon évangile dans les extrémités des nations. J'aime tellement ce passage. J'aime tellement ce passage. Donc, vous le soulignez dans votre Bible, Ésaïe 49, du verset 6 au verset 7. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, le Rédempteur, à celui qu'on méprise et qui en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront. Alléluia. Des rois te verront et ils se lèveront. Tu vois, donc Dieu te donnera accès à des rois, des personnes élevées dans les pays. Dieu ouvrira des portes en ta faveur. Dieu ouvrira des portes. Dieu ouvrira des portes pour que tu puisses parler à des rois. Savez-vous que c'est à cause de ce que Paul devait parler au roi de Rome que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Dieu a conduit le pas. Ce bateau qui était frappé par la tempête de l'Héraquilon n'a pas pu atteindre Paul et tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Quelles que soient les tempêtes qui vont se lever, elles vont pas t'emporter. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les manigances de l'ennemi, elles vont pas t'emporter. Ce bateau était frappé par un vent très fort. Tous les gens avaient peur dans le bateau,
Mais l'ange de Dieu s'est révélé à Paul. L'ange de Dieu lui a dit que personne ne mourra. Oh, à cause du fait que Dieu veut faire de toi une grande bénédiction dans les nations. J'ai dit, tous ceux qui sont liés à toi ne mourront pas. Ils ne mourront pas. J'ai dit, la destruction ne sera pas ton partage. Dieu garde ta famille. Dieu garde ta maison. Dieu garde tous ceux qui sont sous ta responsabilité parce qu'il t'a établi pour porter son évangile. Très loin, très loin. Dans ton domaine, des gens qui sont élevés, des gens qui sont des docteurs spécialistes dans ton domaine, des gens que le monde respecte, Dieu te donnera la grâce de les rencontrer, d'avoir des séances de travail avec eux. Pourquoi? Parce qu'il t'a établi pour être lumière des nations. Je vois ta lumière briller. Je vois ta lumière briller. Ta lumière va briller à Botrou. Ta lumière va briller au Bénin. Ta lumière va briller en France. Ta lumière va briller au Canada. Ta lumière va briller aux États-Unis. Dieu t'établit pour être lumière des nations. Le mot établi est très fort. Établi, ça veut dire Dieu te fonde. Oh my God. Dieu te fait asseoir. Dieu te donne de rentrer dans une position de royauté. Dans une position de royauté. Et personne ne peut t'enlever du trône que Dieu a établi pour toi. Si Dieu t'a établi, qui peut t'enlever de cette position? C'est pourquoi je vois dans la vie de plusieurs qui sont connectés ce matin de promotion, je t'assure, les hommes peuvent manigancer pour t'enlever, mais Dieu t'a établi. Les hommes peuvent faire des coups bas pour t'enlever, mais Dieu t'a établi. Ah, j'ai vu que Maman Célestine a mis une version. C'est quelle version? Malakama Shunta. Hein? Oui, j'aime cette version. Semeur. Et là, comme trouver la version Semeur. Malikaba Shunta. Abarakatola Barasunta. Ale Kebere Kanta Lika. Dieu te bénisse. Moi, c'est le Simakarazandala. Oh, la version Semeur. La version Semeur. Elle dit, Ésaïe 49, verset 6. Il dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es établi. Tu es établi. Tu es établi. Il dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. Car j'ai été établi pour être lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Oui, tu peux continuer, verset 7. Makaba. Et voici ce que dit l'Éternel, qui délivre Israël et qui est le Dieu saint, l'homme, à l'homme méprisé et détesté du peuple, celui dont les despotes ont fait leur serviteur. Les rois t'apercevront et ils se lèveront. My God. Les princes te verront et se prosterneront afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. C'est très fort. Des rois te verront et se lèveront. Normalement, c'est toi qui te lèves devant les rois, mais Dieu va inverser les choses. Des personnes qui ont des positions de royauté dans des domaines vont te voir et ils vont se lever. Oh my God! Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole ce matin? Il dit, Didier Drogba, qui est un roi dans le domaine du football, te verra et s'élèvera parce que Dieu a mis en toi une parole pour lui. Oh, des rois dans des domaines musicaux hein, se lèveront parce que Dieu a mis en toi un potentiel extraordinaire. Alléluia. Il dit des rois qui sont peut-être dans le domaine financier te verront et ils se lèveront. Mais ils se lèveront pas à cause de toi. Ils se lèveront à cause de Christ qui est pleinement manifesté en toi. Alléluia. 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 Des princes te verront et ils se prosterneront. Ils se prosterneront. Les amis, alors que je suis en train de déclarer ce passage, je sens la grâce de Dieu sur moi ce matin. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens que Dieu va me donner d'aller encore plus haut. Ah,
Tu sais que dans tes entrailles spirituelles, il y a des rois. Dans tes entrailles spirituelles, il y a des princes. Des personnes qui sont élevées d'un certain niveau sont appelées à t'écouter, sont appelées à te suivre, sont appelées à entendre la parole, la sagesse que Dieu a déposée en toi. Vous voyez, les rois de ce monde sont livrés à l'ennemi, sont livrés à toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, de souffrances. Mais tu as en toi la solution de Dieu en toi, la solution de Dieu en toi pour emmener un riche homme, quelqu'un peut-être qui est roi dans le domaine de la restauration, mais il est esclave de la cigarette, de la pornographie. Il est esclave, il a peur de la sorcellerie, mais Dieu a mis en toi la capacité de pouvoir l'aider. Je déclare que cette parole de Ésaïe 49, du verset 6 au verset 7, s'accomplisse dans ta vie. Que des rois te voient et qu'ils se lèvent. Que des princes te voient et qu'ils se prosternent afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Dieu est honoré au travers de ta vie. Dieu honore ton nom. Des princes honorent l'Éternel qui est en toi. Des rois honorent l'Éternel Jésus-Christ qui est en toi. Je le déclare. Ta vie ne sera pas sur la terre une vie, comment on appelle ça, sans influence. Sans influence. Ces matinales de conquête sont censées nous communiquer l'onction pour influencer. Je vois ta journée être bénie. Je bénis ta journée ce matin. Je déclare que ta journée est magnifiquement bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es aujourd'hui, Dieu fera de toi un canal d'influence. Dieu fera de toi un canal de bénédiction. Dieu fera de toi un canal d'impact. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu te propulse, la main de Dieu te fait avancer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mali Kabarasunta. C'est pourquoi tu seras obligé d'être millionnaire, même milliardaire, parce que Dieu veut que ton influence aille très, très, très loin. C'est pourquoi la grâce, le talent que Dieu a mis en toi, il va le bonifier davantage, parce que Dieu veut que ton influence aille très loin. Alors que tu m'écoutes ce matin, alors que tu es connecté ce matin à ces matinales, je te vois briller, je te vois aller très loin. Je vois la main de Dieu opérer de grandes victoires avec toi. Je vois la main de Dieu t'utiliser. Je vois la main de Dieu se servir de toi pour relever plusieurs qui sont abattus, plusieurs qui ont du mal à avancer. Que l'onction de Dieu se repose sur toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne dès ce matin jusqu'à la fin de tes jours. Même dans ta vieillesse, tu seras un sujet de bénédiction. Même dans ta vieillesse, tu seras un sujet de bénédiction. Je le déclare sur ta vie. Élève la voix et commence à déclarer avec moi. Déclare avec moi. Malé kabarasunta la baba. Kora mama mama. La sagesse que Dieu a mise en toi est une sagesse qui traverse les nations et les générations. Tu ne partiras pas de cette terre dans l'anonymat. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Alléluia. 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 Ne sous-estime rien. Ne néglige rien. Parce que Dieu a décidé de faire de toi une réponse dans ta génération. Oh, donne-moi un puissant amen. Kamamamamamam. Loma mama mama. Le kabababa. Le kabababa. Alléluia. Alors, ce passage de Ésaïe 49, du verset 6 au verset 7, je vous encourage à continuer de le lire. Alléluia. Maman, maman.
Alléluia. Donc, on va attaquer notre passage habituel du jour. Je vais juste donner. Je vais juste donner à chacun les sept esprits de l'anakazo. Et on va revenir là-dessus. Merci, Saint-Esprit. Merci du temps de ta grâce. 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 Je vois une conspiration sur le plan professionnel contre quelqu'un. Mais je vois la main du Seigneur te faire justice. Je vois la main du Seigneur. L'Esprit me parle d'une personne. Ils sont en train de conspirer parce qu'ils veulent la position que Dieu t'a donnée. Je le sens dans mon esprit. Les gens veulent combattre la prophétie de Dieu. Mais personne ne peut combattre la prophétie. Je vois une position, un positionnement de l'Éternel. Un positionnement de l'Éternel. Un positionnement de l'Éternel. L'air kabarasunta, Aramakanteli kabarasunte lebria. Shebalabalabalabala. Erandala kandolo sunta lega barasunte lebria. Aramakandeli kobarasante Arade Ashandala Baba, Oli Kabarasun Tali Kabarasandelekedebri, Radadadabashantili Kabarababa, Ele Karosuntili Kabarasantalabababa, Sheta. Tu vois, l'ennemi veut combattre la prophétie en amenant des maladies dans le corps. Et je lève ma main droite ce matin et je déclare que toute présence étrangère dans ton corps est consumée au nom de Jésus-Christ. Est consumé au nom de Jésus-Christ. Est consumé au nom de Jésus-Christ. Est consumé au nom de Jésus-Christ. Tu vois, l'œuvre de l'ennemi, c'est d'attaquer tes pensées. Il sait qu'aussi longtemps que ton cœur est bien disposé, la bénédiction de Dieu continuera de venir. Donc, il va créer des occasions pour chercher à atteindre ton cœur par de l'amertume, par la rancune, par le découragement, par l'abattement. Mais je lève ma main droite. Et je déclare que toute ruse de l'ennemi pour toucher ton cœur, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ton cœur est gardé. Ton cœur est gardé. Tes pensées sont gardées. Dieu te garde dans de bonnes dispositions. Et l'amour de Dieu qui est en toi continue de se manifester pour le bien de plusieurs, pour le bien de plusieurs. Toute ruse, toute programmation, toute manigance contre ta vie est anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de l'ennemi contre toi soit échec, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, élevons la voix et sécurisons nos vies. Demande au sang, plaide pour le sang, plaide pour le sang. Que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta maison, que le sang de Jésus couvre ta famille. Male kabarasunta, amaragadabababababa, shela karamasunte libra. Si vos enfants sont proches, approchez-vous d'eux, mettez la main sur eux, priez pour eux, gardez-les par le sang de Jésus. Male raskondeli kabarasenta, abarababababa, erakanta libre. Si votre conjoint est là, priez pour votre conjoint, demandez la grâce de Dieu. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus vous garde, que le sang de Jésus garde vos familles. Marakanteli koberesunta libra. Imarababababababa. Achale kamarasandeli kabra. Une personne est connectée. Ils ont déclaré. Il y a plusieurs. Ça fait plusieurs. Il y a des personnes où tu as été déclaré officiellement porteur d'un diabète. Et il y en a d'autres qui l'ont, mais qui ne sont pas conscients. L'Esprit me dit de vous dire que vous êtes guéri ce matin. Le Saint-Esprit guérit toute personne qui est porteuse d'un diabète dans son corps. Tu ne mourras pas avant ton temps parce que Dieu t'a établi pour être
et une bénédiction, une lumière pour les nations et pour les extrémités des nations. Je déclare que tout diabète dans le corps de quelqu'un est anéanti au nom de Jésus-Christ, est brisé au nom de Jésus-Christ, est brisé au nom de Jésus-Christ, est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce qui a eu raison de tes parents n'aura pas raison de toi. Ce qui a influencé ta famille ne t'influencera pas. Ce qui a eu raison de ta mère ne va pas avoir raison de toi. Que toute présence de l'ennemi dans ton corps soit brisée. Il dit, par ses meurtres sûrs, nous avons été guéris. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Ouh, je vois une séduction de l'ennemi. Il y a une dame qui est connectée. Il y a depuis un bon moment, il y a un monsieur qui te tourne autour. Il y a un monsieur qui te tourne autour. Je parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de l'ennemi pour te créer beaucoup, beaucoup de temps. Il te fait beaucoup de présents. Il te fait beaucoup de présents. Il a vu la lumière qui est en toi. Peut-être lui-même, il n'est pas conscient qu'il est un instrument de l'ennemi. Donc, le diable a vu la lumière, ton étoile, et a décidé d'envoyer quelqu'un pour te séduire. Mais je lève ma main droite et je déclare que Dieu t'accorde le discernement, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux. Il te fait beaucoup de présents, mais que le Seigneur t'accorde le discernement. À partir de maintenant, pendant que tu te reconnais dans cette parole, ne reçois plus de présents, ne reçois plus de présents de lui, ne reçois plus de présents. Mali kabara santa la baba. Shalaba kantoli keberi kanta la baba. Ira baba 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 baba. Andala kabara sute libra. Aleros kanteli kobara santa la baba. Oh mama mama. Oh mama mama. Oh mama mama. Oh mama mama mama. Oh raba baba baba. Je vois des passeports avec des cachets à l'intérieur que Dieu est en train de donner à plusieurs. Et je vois visa, visa. Il y a des visas qui sont en train d'être accordés à plusieurs. Et Dieu suscite les finances pour vous aider à réaliser le rêve qu'il a mis sur votre cœur. Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est connecté avec moi ce matin. Dieu a décidé de t'élever dans le domaine de vente de matériel, d'objets de valeur, l'or, diamant, tout ce qui est objet de valeur. Dieu a décidé de t'élever dans ce domaine. Et tu vas voir, les temps qui vont venir, Dieu va te mettre en connexion avec des personnes dans ce domaine. Ils sont rois dans ce domaine, mais Dieu va te mettre en connexion avec eux, afin que la royauté de Dieu qui est en toi puisse se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a décidé de te positionner particulièrement dans ce domaine. Tout ce qui est objet précieux, tout ce qui est objet précieux, Dieu te positionne, Dieu te positionne, Dieu te positionne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas du Seigneur s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que toute personne malade dans son corps reçoive la grâce de la guérison, la grâce de la guérison, la grâce de la guérison. Je commande à tout diabète de libérer ton corps. Je commande à tout diabète, quelqu'un est connecté, ton pied a tendance souvent à s'enfler et puis ça redescend, ça semble, ça redescend, ça semble, ça redescend. Le projet de l'ennemi, c'est que cette maladie commence à s'intensifier. Mais je maudis les œuvres des ténèbres, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une personne ces derniers temps, tu as beaucoup de vertiges, tu as beaucoup de vertiges. Je t'en supplie, si tu es un médecin, faut le consulter. C'est une œuvre des ténèbres contre ta vie. Mais je lève ma main droite, que tout ce que l'ennemi va lancer contre toi échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Des vertiges inexpliqués, et puis tu sens comme une lourdeur au niveau de ta nuque. Je refuse, je refuse, je refuse que toute œuvre des ténèbres puisse prospérer, que la grâce de la guérison te localise ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ,
dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendaient une visitation financière du Seigneur depuis des mois, avant la fin de cette année, mon Dieu vous surprend de façon surnaturelle. Dieu ouvre le ciel en votre faveur. Dieu ouvre le ciel en votre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui est connectée. Elle a commencé un travail il n'y a pas longtemps, quelque part dans une activité. Et ça fait même pas 2 mois que tu as commencé le travail. Le Seigneur me dit de te dire, durant le premier semestre, trimestre de 2024, il va t'accorder une promotion, une élévation dans une autre grande entreprise à laquelle tu as rêvé. Dieu t'accorde une opportunité là-bas. Au nom de Jésus-Christ, il ouvre les voies pour toi. Il ouvre les voies pour toi afin de t'établir sur les nations. Je le déclare en ta faveur. Je le déclare en ta faveur. My God. Tous ceux qui avaient des projets à démarrer et qui avaient du mal à les lancer, l'onction est disponible ce matin pour vous accorder la grâce. Non seulement vous avez la provision, mais vous avez aussi les hommes, les personnes ressources. Je le déclare sur votre vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, 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 les finances, les besoins arrivent à vous sans que vous puissiez réaliser cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et précieux. Mais Seigneur, merci de garder nos familles, de garder nos enfants, de garder nos maisons, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Marama kontali kabarababa, ashabalabala, akomaroskiandala kabrayandele kosuta, marababa. Que Dieu fasse reposer son onction sur vous. Que sa grâce se repose sur vous en ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le soutien du ciel. Recevez la bénédiction du ciel. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis les œuvres de vos mains. Je bénis votre journée. Je bénis vos activités. Je bénis toutes vos sorties. Je bénis toutes vos rencontres. Je bénis vos finances. Je bénis vos entreprises. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la bénédiction s'attache à vous. La bénédiction vous localise. La bénédiction vous accompagne. Des portes d'un accès efficace s'ouvrent en votre faveur et les adversités capitule au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu ouvre des portes, Dieu fait capituler toute forme d'adversité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu rend ton nom grand, Dieu rend ton nom grand, Dieu rend ton nom grand, afin que le Dieu que tu sers soit élevé dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la bénédiction. Que le sang de Jésus te couvre. Que la grâce de Dieu te garde. Que le soutien du ciel soit ton partage à quelque niveau que ce soit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la grâce. 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 Il y a une sœur, je pense qu'elle n'est pas connectée, mais elle a un litige foncier au niveau familial. Au niveau familial, l'ennemi a décidé de pousser très loin. Il y a des pratiques, même vaudou, qui sont en train de faire contre toi. Alors que Dieu me révèle cela, je vois comme le feu descend du ciel pour semer la confusion contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu les disperser. Je vois comme une confusion que le Seigneur est en train de mettre au milieu d'eux. Les jours qui viennent, mon Dieu te fera justice, je te dis la vérité. Mon Dieu te fera justice. Tous ceux qui ont des litiges sur le plan familial, les problèmes de terre, les problèmes de maison, les problèmes d'héritage, que le Dieu que vous servez avec persévérance vous fasse justice au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des projets de réalisation dans leur pays pendant qu'ils sont à l'étranger, que Dieu affermisse les choses dans vos mains, que Dieu vous donne les moyens qu'il faut et les personnes qu'il faut afin que les rêves, les projets qu'il a mis sur votre cœur, vous puissiez les réaliser
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Recevez la grâce, que votre journée soit bénie, que votre journée soit illuminée, que la main de l'Esprit soit avec vous, que la présence du Saint-Esprit vous accompagne dans toutes vos courses, dans toutes vos démarches, dans tout ce que vous aurez à faire, que Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit avec vous. Une sœur connectée, elle a des problèmes, des douleurs au niveau de l'articulation. Je lève ma main droite et je déclare que toute maladie liée aux os soit brisée en anéanti au nom de Jésus-Christ, soit brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ, soit brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite et je maudis toute forme de stérilité. Une femme est connectée, un homme est connecté, tu as des problèmes pour enfanter. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu bénit tes entrailles. Dieu bénit tes entrailles. Dieu bénit tes entrailles. Une sœur avait un projet d'ouvrir un orphelinat. C'était un rêve que Dieu a mis sur ton cœur depuis des années, depuis même ton enfance, je dirais. Je vois, mon Dieu, commencer à activer les choses afin que tu puisses réaliser ce projet au nom de Jésus-Christ. Je vois une grande maison que Dieu va te donner, une grande maison avec une grande cour et plusieurs chambres. Plusieurs chambres. Tu vas commencer avec cela et plus petit à petit, les choses vont s'élargir. Je le déclare sur ta vie. Et une personne est connectée par cette parole et Dieu a mis à cœur aussi un projet au niveau comment on appelle, des crèches et toutes ces choses-là pour aider les parents à prendre en charge leurs enfants. Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette grâce. Dieu te donne les moyens, les moyens de réaliser ce projet de crèche qu'il a mis sur ton cœur. Il le fait dans le nom de Jésus. Il le fait dans le nom de Jésus. Il le fait dans le nom de Jésus. Il le fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Une sœur a une maladie un peu très difficile depuis un bon moment. Et il y a comme une fatigue. Une fatigue. Tu te sens tout le temps fatigué. Un peu de fort, tu es fatigué. Un peu de fort, tu es fatigué. Dieu me dit qu'il te guérit définitivement. La fatigue chronique disparaît de toi au nom de Jésus-Christ. Le verdict des médecins n'est pas le verdict de Dieu. Dieu a le dernier mot. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. Je déclare ta guérison. Une personne est connectée. Tu as une douleur atroce à la hanche. Je déclare que ta hanche est guérie. Une personne est connectée. Tu as une douleur à la gorge depuis un bon moment. Et tu as du mal même à parler correctement. Ta gorge est guérie. Ta gorge est guérie. Ta gorge est guérie. Je déclare que toute personne connectée qui a une sinusite reçoit la guérison au nom de Jésus. Que cette sinusite chronique soit anéantie de ton corps au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui est liée au sang soit brisée, anéantie. Je déclare ta guérison. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Pendant que tu es connecté à ces matinales, reçois la guérison. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison. Une personne est connectée. Le projet de l'ennemi, c'était de te rendre aveugle. Dans les 3 années à venir, le projet de l'ennemi, c'était de t'aveugler automatiquement et définitivement. Mais je lève ma main droite, je déclare dans le nom de Jésus que tout projet d'aveuglement est brisé au nom de Jésus-Christ. Ta vision commençait à baisser au jour le jour, mais je déclare que Dieu restaure tes yeux. Il restaure tes yeux, il restaure tes yeux, il restaure tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'étendre ta grâce de guérison ce matin. Que la main de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, que le soutien du ciel soit avec vous. Je vous bénis. Je bénis vos entrailles. Je bénis vos finances. Je bénis vos activités. À cette matinale, pendant que vous m'écoutez, il y a comme une couverture spirituelle qui vient sur vous. Et l'ange de Dieu vous garde. Votre ange vous garde de façon surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un entendra une bonne nouvelle avant la fin de cette semaine. Tu entendras une nouvelle qui va réjouir ton cœur. J'entends dans mon esprit bonne nouvelle. Recevez de bonnes nouvelles. À partir de cette matinale, jusqu'à la fin de ce jour, recevez de bonnes nouvelles. Recevez de bonnes nouvelles. Que Dieu vous surprenne dans le nom de Jésus-Christ et que l'extraordinaire soit votre partage ce matin. Merci Saint-Esprit de le faire ici. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Il y a une personne qui aura comme des partenaires d'affaires en Afrique. Oh, j'entends Burkina. Et j'entends aussi le Congo. Dieu va susciter des partenaires d'affaires dans ces villes-là.
dans ce pays-là, pardon. Tu vas susciter des partenaires. Tu vas susciter. Alors que tu seras connecté sur Internet et que tu vas monter tes produits, des personnes que Dieu va susciter de ces pays lointains pour te financer, pour te soutenir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Que la protection divine soit sur vous. Que la main de Dieu soit votre soutien. Recevez la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. 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 Que Dieu vous fasse justice. Que Dieu vous fasse justice. Que votre lumière brille. C'est ce que nous avons lu ce matin dans Ésaïe 49, du verset 6 au verset 7. Que Dieu vous fasse justice. Que des rois se lèvent devant vous. Que des princes se prosternent. Que Dieu vous fasse justice à cause de la grâce qu'il a mise en vous. Que votre influence aille de gloire en gloire. Quelqu'un dit impuissant Amen. Impuissant Amen. Impuissant Amen. Impuissant Amen. Impuissant Amen. Merci Seigneur. Merci de le faire. Merci pour ta grâce. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. Amen, 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 amen. Merci Père, merci Saint-Esprit. Tout ce qui est territoire qui vous revient, que Dieu vous le donne, 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 que Dieu vous le donne. Je sens l'onction ce matin, je sens l'onction ce matin. Je sens la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu se repose sur vous, que la grâce de Dieu se repose sur vous, que la grâce de Dieu se repose sur vous, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Je vous bénis, 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 je vous bénis. Tous ceux qui ont à cœur de se marier, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce. Il aura dans la vie de plusieurs qui se connectent au matinal, il aura des témoignages extraordinaires. Dieu va vous donner de faire des rencontres extraordinaires qui vont vous donner du repos. Je le déclare sur votre vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Entrez tous dans la grâce du mariage. Que 2024 soit l'année des grandes célébrations, des grandes célébrations. Oh, fils et filles, je vous bénis de cette bénédiction, des grandes célébrations. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce. Merci Seigneur de le faire. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. J'entends transfert, 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 transfert. Je vois un transfert sur le compte de quelqu'un. Un transfert surnaturel. Un transfert surnaturel que Dieu va opérer sur le compte de quelqu'un, sur le compte de quelqu'un. Transfert. Transfert surnaturel. Reçois ce transfert ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis impuissant, Amen, ce transfert arrive dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cette matinale. Merci pour cette connexion. Alléluia. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors que j'étais sur le point de partager cet esprit-là, j'ai senti une poussée prophétique et je me suis laissé vraiment conduire pour libérer les paroles que Dieu a mises sur mon cœur. Soyez bénis. Que toutes ces paroles-là voient leur accomplissement dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Esprit de conquête, prenez des territoires, gagnez des territoires, prenez des espaces. Que les portes qui vont s'ouvrir, que vous puissiez les exploiter efficacement en votre faveur. Et pour le règne de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vais laisser le soin à la com de nous mettre le dévotionnel du jour. Et puis on va bénir le Seigneur par une offrande. Par une offrande. Une offrande. Ce mois-là, je sens qu'on doit toucher le cœur de Dieu par une offrande. Faites une offrande ce mois au Seigneur. Faites une offrande. Par rapport à toutes ces paroles que vous avez entendues, faites une offrande. Faites une offrande.
Faites une offrande à Dieu. Faites une sceller cela. Lambaniser ça. Faites une offrande. L'offrande a deux interprétations. Fais une offrande pendant que tu reçois une parole. C'est une façon de déployer ta foi. Parce que tu marques déjà ta reconnaissance avant qu'elle se réalise. Ça veut dire que tu crois que Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, l'offrande vient comme un scellé. Il dit ici, quelqu'un qui reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, reçoit la grâce qui est du prophète. Donc, en semant dans la vie de celui, le prophète qui a libéré la parole, c'est une façon de recevoir ce prophète. Et la grâce qui est sur cet homme de Dieu sera transférée sur toi. Alléluia. Pendant que vous êtes connectés au matinal, que la grâce qui est sur ma vie se repose sur vous. Une des grâces que Dieu m'a données, Dieu nous a donné mon épouse et moi, c'est de voir les choses se faire très facilement. Ça, je le reconnais. Je le reconnais. Les choses vont très vite avec nous. Que cela soit votre partage. Que cela soit votre partage. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gros bisous à vous. Je vous love, 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 love. Alléluia. J'ai dû venir un dimanche nuit rapidement à Abidjan pour des problèmes de famille. Donc, ce matin, je vais prendre la route pour Bouaké. OK. Que Dieu vous garde. Shalom à tous, lecture du dévotionnel du jour. Dévotion quotidienne à son image pour dominer, numéro 6, la bénignité, fondement de la foi de Dieu, partie 2, du pasteur Mohamed Sanogo. Jour 29, l'espérance, la force de la bénignité. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Genèse 37, verset 20. Lisons ensemble Romains 4, du verset 17 au verset 25. Ce n'est pas à cause du vêtement multicolore, ni à cause de la préférence de leur père, que les frères de Joseph ont tenté de le tuer, mais à cause de ses rêves. Le fait qu'il soit prêt à tuer pour une chose virtuelle, comme un rêve, te montre combien de fois Satan, qui les avait inspirés, a peur des rêves. Il est important que tu réalises que les rêves, comme tout ce qui est imagination du futur, sont très puissants. Comme le rêve, l'espérance est aussi une vision imaginaire d'un futur favorable. Malgré qu'elle ne soit pas matérielle, elle effraie tes ennemis. Hérode a déployé son armée pour trouver et tuer l'espoir qu'avait vu l'image en un bébé. Je voudrais aujourd'hui te parler de l'espérance, la dixième sagesse de la bénignité. C'est à cause de sa grande espérance qu'Abraham a obtenu de grandes promesses. L'espérance est une des bases de la foi. Hébreux 11, verset 1. Tous les héros de la foi décrits en Hébreux 11 étaient des rêveurs. L'espoir oriente toutes les grandes choses qui se réalisent sur la terre. L'espérance est derrière toutes les inventions qui ont révolutionné ce monde. C'est l'espérance de trouver des trésors dans la terre qui amène les hommes à la creuser. C'est par l'espérance de trouver des terres riches que les navigateurs ont exploré le monde. La bénignité, c'est le fait de voir les bontés de Dieu dans chaque chose et de les développer jusqu'à produire leurs fruits. Chacune des étapes de la bénignité est portée par l'espérance. La bénignité, c'est croire dans le petit, le faible, l'insignifiant, le bénin. C'est espérer que de cette chose bénigne sortira quelque chose de grand. La bénignité, c'est s'investir dans les faibles commencements parce qu'on espère qu'ils finiront grands. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'on doit rêver ce que tu as prévu faire ou est-ce parce qu'on espère que tu le fais? Le Seigneur m'a dit les deux. Si je maintiens mon espérance que quelque chose de bien sortira d'une personne ou d'une situation, alors Dieu honorera ma foi et la transformera en bien. Tel fut le cas de la syrophénicienne, Matthieu 15, versets 22 à 28. Elle n'était pas prévue, mais son espérance en Jésus a amené celui-ci à guérir sa fille.
Mais on espère aussi ce que Dieu a prévu. Ainsi, les parents de Moïse, comme la fille de Pharaon, ont espéré en Moïse car Dieu l'avait déjà choisi. Comme je te l'ai montré dans le travail quotidien, la manne, image des bontés quotidiennes de Dieu, doit être ramassée, c'est-à-dire tirée de la terre. L'espérance de la bénignité, c'est de croire que de cette chose sale sera tiré le bien. Tu dois toujours espérer que des hommes, des circonstances, des environnements les plus difficiles, Dieu sortira sa gloire. Pour pratiquer la bénignité, tu dois apprendre à voir les hommes, les circonstances, les environnements avec l'espoir. Regarde les pauvres, les malades, les handicapés, les drogués, les voleurs, les méchants, avec l'espoir que Dieu a placé un trésor en eux. C'est alors que l'Esprit pourra te montrer et te confirmer les plans de Dieu en cette personne. Mais si d'office tu les méprises et ne les comptes pas, tu seras aveuglé. Regarde les circonstances faciles et difficiles de ta vie avec l'espérance qu'elles cachent un trésor et qu'elles manifesteront une gloire. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré mon erreur après ma repentance, Dieu a tiré sa gloire de mon séjour en Malaisie parce que j'ai espéré. Pendant longtemps, les déserts étaient perçus comme des lieux de désespoir jusqu'à ce qu'on y découvre les trésors cachés. Beaucoup des pays les plus riches au monde sont désertiques. Souviens-toi que tout ce que Dieu a créé est bon. Regarde les déserts, les quartiers malpropres, les maisons inachevées, les forêts, tout environnement avec espoir. C'est alors que Dieu te révélera les trésors qu'il cache et te montrera comment les révéler. Le désespoir fermera tes yeux sur tout, t'empêchera de manifester la bénignité. Ne te limite pas à voir la bonté que Dieu a cachée. Pratique la bénignité en élevant et en valorisant ces personnes, ces circonstances et environnements qu'il a mis devant toi dans l'espérance qu'ils manifestent pleinement leur potentiel. Ainsi, si tu cultives l'espérance, tu seras à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu pour transformer la boue en or et diamant pour révéler des grands pour Dieu. Dieu est le Dieu de toute espérance. L'espoir est une des bontés qu'il te donne. Oui, Dieu met dans ton cœur des rêves. C'est une bonté que tu dois recevoir afin de te permettre de toujours garder espoir. Espère dans les promesses de Dieu. Espère dans les choses que Dieu a mises dans ton cœur. Je lis ma Bible en un an. Ce jour, nous lisons Juges chapitre 11, Jérémie chapitre 25, Actes chapitre 16. Excellente journée à toutes et à tous, et que l'espérance, la force de la bénignité soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.